Oh, quelle joie de revenir à la casita après avoir dû sortir pour nos trois longues journées. Oh non, mais que se passe-t-il? Cassita, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, ma jolie. Dis à grand-mère ce qui ne va pas. Oh, mais Cassita, quelle est cette affreuse odeur? Grand-mère, à l'aide, à l'aide! Pas de panique, Cassita. Je vais trouver une solution. Mais il n'a rien d'étrange ici. Peut-être est-ce la salle de bain. Oh, mais c'est étincelant ici. Peruno ne l'a pas sali. Oh, Peruno! Mais où est-il? Peruno! Peruno! Oh, mais... Pourquoi n'as-tu pas pris ton bain? Bien parce que je suis en vacances et je n'ai pas envie de prendre un bain. Va à la baignoire tout de suite. Non, non. Peruno, tu n'as plus d'issue. Non, non, non. À la baignoire. Allez, allez, vas-y. Je vois. Dans ce cas, j'appelle Tati et Lily pour qu'elles viennent m'aider tout de suite. Pauvre Cassita! Petit balai, va trouver Peruno. Pas de souci, je vais aller le chercher. Non, je ne veux pas aller dans la baignoire. Ma jolie Cassita, c'est ta dernière chance, Peruno. Prends un bain tout de suite. Non. Les filles? Pas de bain pour moi. Que devrions-nous faire? Plus de pression dans le tuyau, grand-mère. Vous devriez abandonner. Jamais! C'est important, la propreté. Je crois qu'il serait sage d'appeler Monsieur Mona. Mamie, que se passe-t-il? Nous avons besoin de ton aide. J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait que j'ai gagné. Pas de panique. Avec ce costume et la propulsion des sacs à dos super désodorisants, nous allons tout nettoyer. Oh non! Mais qu'est-ce que je vais faire? On est prêts? 1, 2, 3! Bouclier de mouche! Oh non! Nous avons encore échoué! On dirait que je les ai enfin battus! Bonjour les gars! Je suis de retour de mes vacances et je vous ai apporté des cadeaux! Quelle est cette odeur? Et que vous est-il arrivé, les gars? Je vois! Peruno, à la douche! Oui, mais c'est fou, j'y vais! Et n'oublie pas de t'abonner!
Tati, et si nous organisions une soirée pyjama? C'est une super idée. Nous pouvons inviter Lily et Mr. Morning. Miroir, appelle Mr. Morning. Salut, les amis. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Rien, je travaille juste sur une toute nouvelle invention. Aimerais-tu venir à notre soirée pyjama? Ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas. Amusez-vous bien. Miroir, appelle Lily. Coucou Tati, coucou Missy Fou. Est-ce que tu aimerais venir à notre soirée pyjama? Où est-elle passée? Je ne sais pas. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prête pour la fête. Préparons les sacs de couchage. Voilà. Et si on se racontait des histoires effrayantes? J'adore ça. Abracadabra, chacun en pyjama se revêtira. Tu es très jolie, Tati. Toi aussi, Lily. Allons nous brosser les dents. J'arrive tout de suite, mais d'abord un peu de lait. J'adore me brosser les dents. On dirait que vous avez des barbes. Allons voir ce que fait Missy Fou. Missy Fou, qu'est-ce que tu fais dans ton sac de couchage? Tu n'as pas encore brossé tes dents? Oups, j'avais oublié. J'y vais. Oh, je n'avais pas envie. Mais qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Je ne vois rien. Moi non plus. Mais si, il y a quelque chose dehors. Missy Fou, regarde. Tu vois? Il n'y a rien. Ok. J'ai soif. Je vais dans la cuisine. Ça, Missy Fou! Regarde, regarde! Juste là! Qu'est-ce que c'est que ça? Allons enquêter! J'ai très, très, très...
très, très peur. Aïe, moi aussi. C'est sûrement un hibou. Restons tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites? On vient de voir quelque chose de très étrange. Quoi? Qu'avez-vous vu? Quelque chose avec des lumières et qui fait bloup, bloup. Oh, les amis, c'est juste mon nouveau robot. Je suis désolée qu'il vous ait effrayé, mais il s'est échappé. Ok, alors nous allons t'aider à le retrouver. Regarde, regarde, il court par là-bas. Contournons-le. Super, nous pouvons faire un gâteau aux carottes. Youpi! Abracadabra, un gâteau aux carottes apparaîtra. Il a vraiment l'air délicieux. Et n'oublie pas de partager. À vos ordres, capitaine. Alors, levez les ancres, pirates. Youpi. Oh. Oh, ça a l'air très amusant. Oh. Oh non, une abeille est rentrée sur notre bateau. Ça ne marche pas, Lily. Aide-moi. Je commence à être en colère. Ne nous trouvera pas. Je sais, je peux la faire disparaître avec ma baguette magique. Ouf, Lily, n'utilise pas ta magie. Ah, Abracadabra, maintenant disparaîtra. Oh non, tu as fait disparaître la maison. Bon, alors je la rendrai minuscule. Ah, Abracadabra, minuscule deviendra. Oups. S'il te plaît, arrête! Arrête d'utiliser ta magie! Miaou! Cours, Lily! Cours! Ah! Regarde, Lily! Regarde, c'est la maison de Mr. Morning! Mr. Morning! Ouvre! Ouvre la porte! Que vous arrive-t-il? Regarde! Rentrez vite, les amis! Rentrez vite à l'intérieur! Mais que s'est-il passé? Comment cette abeille est devenue si énorme? J'utilisais ma magie et je me suis un petit peu trompée. J'ai une invention qui pourrait vous servir. Allons dehors! Aïe, aïe, aïe! Non, j'ai très peur de l'abeille! Ne t'inquiète pas, Lily. Nous allons vite lui faire reprendre sa taille normale. D'accord, Mr. Morning. Je ne sais pas trop. Ah, aidez-moi! Oh oh! Je crois qu'il est temps de tester ton invention! Allons-y! Ah! Ah! Youpi! Voilà, problème résolu! Tu m'as presque piqué, petite abeille! Et si on la rendait encore plus petite? Oh! 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 Allez, les amis, courons vite jusqu'au lac! Oh,
On dirait qu'elles s'en vont. Nous pouvons sortir maintenant. Oui, 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 l'eau est vraiment froide. Allez, les amis, rentrons à la maison. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai fait disparaître la maison. Ne t'inquiète pas, Lily. J'arrangerai ça avec un peu de magie. Et qu'allons-nous faire avec les abeilles? Moi, j'ai une idée, Tati. Et si tu faisais apparaître un pot de miel? Les abeilles adorent ça. Bonne idée, Missifou. Un tout petit peu de magie nous aidera. Et je pourrai les transformer en une seule abeille de nouveau. Abracadabra! Un pot de miel géant apparaîtra. Super! Maintenant, je peux les transformer en une seule abeille. Oh! Où sont parties toutes mes amies les abeilles? Mais, petite abeille, pourquoi voulais-tu nous piquer? Je ne voulais pas vous piquer. Je voulais juste jouer aux pirates avec vous. Oups! Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Allons tous ensemble jouer aux pirates. Abracadabra! Pirates à l'abordage! Youpi! Je suis vraiment une pirate! Aime et abonne-toi!